D'accord, j'avais entendu dire, l'histoire a commencé. Pourquoi il n'y a pas eu un appel groupé pour régler cela et puis anticiper rapidement avant que ça ne prenne de l'ampleur? Moi, cette phrase simple me suffit. Je dis à ma soeur Kadi, c'est pas par là, ben, de la manière que tu as parlé, c'est-à-dire tu as laissé. En fait, la tempête n'est pas passée. Ça dit, la tempête Juliette, là, pour l'instant, elle est chez le voisin. Le tourbillon va revenir. Quand ça va revenir, c'est un gros tourbillon, ça va revenir. D'accord? Donc, je préfère te parler. Parce que la tempête n'est pas loin. C'est le vent, petit vent qui a ramassé, vent qui a ramassé les restes de sachets de Nyamakougi qui étaient sur la route, là. C'est ça qui a fait que tu es sorti. Mais la météo annonce la grosse tempête qui va revenir sur le village. La météo annonce ça déjà. Ça va faire demi-tour. Tempête, elle n'est pas allée loin. Et je ne sais pas comment il y a nommé tempête là. Si vous avez le nom de tempête là, ça va faire demi-tour. Le plus gros n'est pas encore arrivé. Mais comme tu t'es prononcé, pendant que pour le groupe, je sais qu'on ne se parle pas depuis on s'est vu au resto. Pendant que j'étais courbé comme ça, et puis on me tonnait le coup de gourdin dans mon dos. Ça fait mal, hein, quand tu es grande gueule là. C'est-à-dire quand tu es à bouche et puis tu ne peux pas parler là. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? C'est comme ça que souvent un peu mouchoir. Ça fait mal quand tu es à bouche. Mais ta bouche et puis tu ne peux pas parler là. C'est-à-dire quand tu es à bouche et puis ta bouche est gonflée. Quand ta bouche te fait mal, tu ne peux pas parler. On me donnait, pendant qu'on me donnait des coups de gourdin, les personnes qui sont sorties pour me soutenir, la première personne qui était au devant, c'est l'œil du lynx. Même si la personne était sous un faux profil. C'est l'œil du lynx. Et puis, une personne qui n'est pas vraiment de l'ancienne coalition, je vais dire toujours l'ancienne coalition, qui est Étoile d'Afrique, qui. Donc, quand tu fais les reproches que ça doit être fait là, qui devait faire? Si, toi, tu n'as pas le. Bon, tu dis, on s'appelle forcément. Toi, tu n'as pas le numéro de Lolo. Tu es rentré dans son téléphone pour lui proposer de former cette bulle là. De trouver quelqu'un de sage, de neutre. Puisqu'il y avait des neutres. Oui, il y avait des neutres. Il y a Meta Relais qui était neutre. Tout le conflit, on n'a pas vu Meta Relais sur ma page. Même là, je ne suis pas sûr qu'elle regarde mon direct. Peut-être qu'elle regarde sans rentrer dedans parce qu'elle n'a pas envie de se salir dans ce conflit. Il y a Pam Prop qui ne regarde pas. Parce que Pam Prop, il y a longtemps, je ne dis pas que parce qu'elle n'est pas se salir, mais il y a longtemps, elle est absente sur les réseaux sociaux. Il y a Jude le sage qui n'est pas là, qui ne regarde pas, qui ne veut pas se salir dans ce conflit, mais qui va sur la page de l'autre. Vous êtes 2, 3, 4 qui étaient neutres là, qui n'étaient pas concernés. Pendant que je donnais mon dos pour tout le groupe pour qu'on me tape, sinon ce n'est pas au nom de Dieu. Toi, Kadi, ce n'est pas le fait de fuir la guerre qui va faire que tu vas avoir la paix. Pareil pour ma collègue qui est partie rentrer dans le direct là. Je vais lui dire qu'on est, on se dit, on a la tête d'un groupe. Quand on a la tête d'un groupe là, on est chef. Une Amazone, on va dire Amazone, on va donner tous les noms qu'on veut. On va pas dire Ablakoukou, parce qu'Ablakoukou a donné son bébé. Elle ne s'est pas donnée elle-même. On dit les poissons ont besoin d'un être humain. C'est son bébé qu'elle a donné. Elle ne s'est pas donnée elle-même. Attends. Mais, quand on est chef d'un groupe là, et puis nous on est à côté, on te protège. On ne livre pas ces éléments. Il y a un élément qui a été livré. Déjà, il y avait moi qui avais été livré. J'étais sur le poteau comme Jésus-Christ. Et puis on me mettait des flèches sur le côté. Je me suis mise sur le poteau. La personne que moi j'ai l'habitude de mettre en haut, parce que c'est ma chef. C'est ma chef. Et puis c'est pas seulement parce que c'est ma chef. Parce que j'ai confiance à la personne. Parce que j'ai de l'admiration pour la personne. Et puis c'est la personne qui est avec nous. C'est la personne qui a la tête, qui a créé son chef. On doit. C'est-à-dire qu'on doit mettre son chef en haut. Mais mon chef me met en haut aussi.
C'est pas dans un seul sens. Combien de fois les gens m'ont pas tapé dessus en disant quitte là-bas, quitte là-bas, quitte là-bas. J'ai dit je reste. J'ai fait des posts qui ont été partagés. Ah, tu vas voir. Donc, moi, je mets mon chef en haut. J'ai dit je suis à mon chef, j'ai confiance, je crois. Maintenant, des gens, c'est-à-dire la personne était tellement agonisée, tellement à appeler, à faire, à commencer à envoyer des jeux de phare à ses ennemis d'à côté, et plus aux blogueurs qui sont sous la couverture. Bipo Maya, en train de biper dans son téléphone. Bipo Maya, viens, parce que tu détestes la chef, tu détestes Philly. Viens, j'agonise. Viens m'aider, j'ai personne pour m'agoniser, pour m'aider. J'arrive plus, j'en peux plus. Et avant-hier ou il y a deux ou trois jours en arrière, la personne a voulu fabriquer ce courrier, ce fameux courrier quand c'est sorti, en disant, quand la personne maintenant interpelle le SILU pour dire tu avais raison.